Bonsoir, chers tous, bonsoir. Et je m'excuse déjà pour l'heure un peu tardive pour ces directs. Hein. C'est parce que il fallait un minimum avoir un recoupement d'informations. Vous savez, comme j'ai toujours dit dans cette résistance, la résistance, ce n'est pas du sensationnel. Quand on a une information, il faut la vérifier. Il faut tout faire. On ne peut pas, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de balancer des informations sur les réseaux sociaux
qui pourraient peut-être aller à l'encontre de nous, de notre mouvement. Nous avons pris la casquette des résistants aujourd'hui, donc on a le droit et le devoir d'avoir des informations fiables et sûres. Quand on a été informé de l'empoisonnement de Paul Toutta, on ne l'a pas balancé sur les informations. Dans les réseaux sociaux, on a pris le temps de vérifier, d'appeler le concerné, d'appeler ses proches, d'appeler les prisonniers avec lesquels ils étaient dans la chambre. Donc, c'est pour ça, je suis vraiment désolé. Et puis, je pense que l'information que je vais révéler tout à l'heure sont d'une importance capitale. Je ne pouvais pas dormir avec ça. Donc, j'étais obligé de vérifier, d'appeler, de confirmer, reconfirmer. Donc, je vous laisse faire un petit tour du partage. Et à partir des 100, je vais tenir, cracher ma Varda. Vous savez, cette résistance, comme je te dis, ce n'est pas du sensationnel. Il faut prendre le temps de vérifier. Quelle qu'en soit l'heure, hein, quelle qu'en soit l'heure, il n'y a pas de rétention d'informations quand la vie des personnes et des personnalités sont mises en branle, quand des gens sont mis en danger. On ne peut pas aujourd'hui s'amuser. Avec tout ce qui s'est passé hier à Paris, et tout ce qui s'est passé auparavant au Cameroun, je ne peux pas me permettre d'avoir une information d'une importance capitale à ce point et rentrer chez moi et dormir. Donc, je vous laisse faire un tour de partage à partir de 100. On va en discuter. Je ne vais pas vous tenir longtemps. Il est tard. Moi aussi, je suis fatigué. On a eu une journée très, très longue. On a eu un week-end très, très long. Très, très long. Et je vous assure que oui, j'ai même eu un moment encore le feu de fêter ça. Mais je me rends compte en réalité que pendant qu'on est en train de vouloir fêter, le tyran, lui, il ne fête pas. Il est derrière nous. Il est en train de vouloir absolument nous museler. Nous museler et surtout. Très bien. Et surtout, nous tuer. Ça, c'est le mot. Donc, faites un tour de partage. Et à partir des 100. J'en aurai maximum pour un quart d'heure. Moi aussi, je suis vraiment fatigué. Mais vous voyez, je ne vais pas dormir. J'étais au restaurant avec des amis, la famille. Mais j'ai tout annulé parce qu'il fallait rappeler le Cameroun, vérifier, croiser les informations et m'assurer effectivement que l'équipe du tyran, comme je dis, l'équipe du tyran du médiocre, était dans l'avion. Donc, c'est vraiment important, c'est capital pour nous qui sommes aujourd'hui dans la résistance. J'ai pris le téléphone de mon stratège, donc du coup, j'arrive pas à partager. Essayez de partager un minimum, parce que sincèrement, là, on n'est pas là pour blaguer. Je pense qu'il y en a qui sont rentrés dans cette résistance en pensant que c'est pour faire le show et autres. Mais là, on parle quand même du Cameroun. On parle d'un pays, pas d'une association. Et quand on a des informations capitales comme celle-là, on ne peut pas se permettre de rentrer chez soi, dormir ou faire la fête. Non, je suis obligé de partager avec vous cette information parce que je sais au moins, il y a au moins 10 personnes qui me suivent et que je sais au fond de moi que si ça arrive, au moins c'est sorti. Rappelez-vous, je reprends encore le cas de Paul Toutta. Paul Toutta, aujourd'hui, se serait retrouvé sûrement à 3 mètres sous terre si on n'avait pas fait ce qu'il a, si on n'avait pas dénoncé. Si on n'avait pas dénoncé l'empoisonnement et l'envie démoniaque du tyran à son endroit. Donc, je ne peux pas aujourd'hui mettre la vie d'un seul Camerounais en danger. Impossible. Et quand on me dit « mettre la vie d'un Camerounais en danger », ce n'est pas Paul Toutta, mais c'est une équipe d'au moins 20 personnes. 20 personnes. Et en particulier, le directoire du MRC qui est en train de s'apprêter pour aller au Canada et aux États-Unis. Donc, je ne peux pas dormir avec ça. On est obligé d'infiltrer l'équipe du gouvernement jusque dans leurs entrailles pour avoir la bonne information. Et maintenant, je peux vous dire de façon officielle que oui, avec la mascarade du gouvernement, on ne peut plus laisser faire, on ne va pas dormir. Partagez un petit peu ce direct. Je n'ai pas vraiment besoin que les gens m'insultent, me disent bravo. Ça, c'est une information capitale. Partagez, il faudrait que ça arrive aux bons endroits et que le gouvernement soit au courant, que nous sommes aussi au courant du dessein funeste, machiavélique, satanique pour lequel ils sont voués. Ils ont essayé à Paris, ça n'a pas marché. Et il y a une équipe qui a pris le vol ce soir
à Yaoundé pour se diriger en Amérique du Nord pour mettre en danger la vie des membres du directoire du MRC et de la coalition. Je ne peux pas dormir avec cette information-là. Donc, essayez de connecter, partagez, envoyez à vos voisins, renseignez-vous à tous ceux qui ont pris le vol aujourd'hui à Yaoundé. Renseignez-vous, vous verrez la liste des gens qui ont pris, la liste des gens qui ont pris le vol ce soir pour Yaoundé. Il y a 25 membres, j'ai bien 25 membres des services secrets du Cameroun qui ne viennent pas en vacances ou en villégiature, mais qui ont pour mission d'attaquer, d'empoisonner, d'intoxiquer le directoire du MRC et de la coalition gagnante et de certains activistes ciblés. Certains activistes ciblés, pas forcément ceux que vous voyez sur Facebook, parce qu'ils ont une liste de personnalités et de personnes qu'ils ont mis, soi-disant, qui financent la basse, la casse du Cameroun et la destruction du Cameroun. Donc, ils partent au Cameroun en mission commandée. Empoisonnement, ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont certainement les tuer sur place. Ça veut dire les empoisonner et mourir quelques semaines plus tard. On se rappelle encore du cas de notre frère et compatriote Lapiron de Banga. On se rappelle encore le cas de beaucoup d'activistes qui ont été malheureusement empoisonnés. Ils ont compris aujourd'hui qu'on se retrouve dans des pays de droit où on ne peut pas venir forcément tirer sur quelqu'un dans la rue et partir. Alors, ils vont utiliser des moyens chimiques pour empoisonner et surtout déstabiliser le directoire du MRC et la coalition gagnante. En tête de liste, il y a Monsieur Pendekoka qui est visé. Il y a Monsieur, il y a Maître Sim qui est visé. Et il y a Monsieur Alain Foguet qui est visé. Et une liste pas plus exhaustive des personnalités américaine de Bamileke. J'ai dit bien américaine et dans cette liste-là, c'est en majorité des Bamileke résidant au Canada et aux États-Unis, soupçonnés d'intelligence avec le MRC et le directoire du MRC pour déstabiliser le Cameroun. Donc, ce n'est pas forcément les blogueurs et ceux qui font des directs jour et nuit. Non, c'est des personnes, c'est des papas aguerris. Alors, je lance ce vibrant appel ce soir et faites un tour de partage encore parce qu'on ne peut pas aujourd'hui s'amuser. Je ne suis pas là pour des gains intestines ou autres. J'ai eu cette information-là quand j'étais au restaurant. J'ai arrêté tout. Je suis resté au téléphone 2 heures, 2 heures de temps pour discuter, vérifier et avoir confirmation que ces gens-là ont pris le vol pour se rendre en Amérique du Nord. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous partagiez, que ce message-là arrive aux personnes concernées et qu'on fasse vraiment attention. Ce régime n'est pas là pour le changement au Cameroun. Ce régime n'est pas là pour l'alternance au Cameroun. Ce régime est là tout simplement pour museler et pour tuer tous les Camerounais avide de changement. Faites un autre tour de partage et je vais vous donner le nom de certaines personnalités. Et je vais parler à mon stratège en même temps d'un autre téléphone pour voir si effectivement il faudrait que ces personnes-là prennent des dispositions particulières. Parce que ces gens ont été fichés par les services secrets, on ne sait pas sur quelle base. Soi-disant, c'est eux qui financent le MRC, c'est eux qui sont là pour déstabiliser le Cameroun. Donc, il y a une équipe de 25. J'ai dit bien 25. Tous ceux qui étaient à Yaoundé ce soir, tous ceux qui étaient à Yaoundé et qui sont dans le vol, qui va faire escale aujourd'hui à Paris et ce matin à Paris et à Bruxelles, ce matin à Paris et à Bruxelles, vous verrez justement un certain gabarit. Dans le groupe, il y a 8 femmes. 8 femmes et 16 hommes. 16 hommes des services des renseignements du Cameroun. Ils ne viennent pas en mission pour le Cameroun, mais ils viennent en mission commandée pour tuer des Camerounais, pour empoisonner des Camerounais. Faites un autre tour de partage. J'aimerais que ce direct parte. Au moins, l'Istenza retiendra qu'un 3 février à minuit 8, quand moi, en a averti le monde. Et je lance un vibrant appel.
pas seulement au MRC. Je lance un vibrant appel à tous ceux, au MRC, à tous ses alliés, à AGI, à tous les partenaires, aux chefs Bilois, Bilois FA, et à tous ceux-là, aux jeunes Wifi des cas, à tous ceux-là qui sont à même d'accompagner le MRC pour la tournée nord-américaine. Faites un tour de partage. Il faut que ce message passe et que les personnes, les personnes qui vont préparer la venue du président élu Maurice Kamto et le directoire prennent des dispositions catégoriques. Il ne faudrait pas que des étrangers arrivent ou approchent un membre du directoire. Pas ce qui s'est passé à Paris. Paris a été l'osmose. Paris a été le modèle. Il y a eu quelques loupés, quelques ratés que le régime a ficelé, a étudié et qui a dépêché. Ces personnes ont pris leur billet aujourd'hui. Ce n'est pas des vols qui ont été réservés il y a un mois, il y a deux semaines. Ils ont étudié corps et âme à travers nos directs les failles du régime, du système, les failles de l'organisation. Alors je lance un vibrant appel. Je lance un vibrant appel à tous ceux qui vont représenter, qui vont recevoir, je dis représenter, recevoir tout le directoire du changement au Cameroun, avec à sa tête le leader, le professeur président Maurice Kamto, Pende Koka et toutes les personnes qui vont l'accompagner. Les vies sont exactement en danger. On ne peut pas laisser ça. Alors je lance un vibrant appel à mes amis du Canada, à mes amis des États-Unis. Organisez les choses de façon propre, professionnelle. Organisez avec un système de badge, que les personnes doivent être reconnaissables avant, après. Pas de faux papiers, vérifiez et envoyez une liste des personnes de l'organisation et des invités au service des polices. Parce que le régime sanguinaire, médiocre de Yaoundé est aux abois. Paris leur a donné une seconde gifle, comme la gifle de Genève. Tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est empoisonner, c'est tuer de façon chimique. Toutes ces personnes-là qui se sont levées pour dire non au système. Je vous le dis, je donne un vibrant appel. Je ne sais pas qui va organiser la venue, qui va organiser les conférences au niveau du Canada ni au niveau de Washington. Prenez toutes les dispositions. Ce soir, 8 femmes et 16 hommes, agents secrets des services du Cameroun. Je suis parti dans Paris pour fêter la grosse victoire, la belle claque que le président a donnée au système du médiocre monsieur Mbia. Je n'ai pas eu le temps de rentrer chez moi. Je me suis enfermé dans ma voiture depuis tout à l'heure, depuis au moins 2 heures, pour appeler, recouper toutes les informations et me rassurer de façon effective que ces gens, c'est des membres du service secret du Cameroun. Quand on dit membres du service secret, c'est monsieur tout le monde. Ils ont bouqué les billets aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont pris les billets aujourd'hui via Air France et Bruxelles Airlines pour aller au Canada et aux États-Unis pour attenter. Ça, c'est un attentat, attenter à la vie des membres du directoire du MRC et de tous ceux qui les accompagnent. Je ne peux pas rentrer chez moi et dormir en sachant que ce régime de Mbia passe à une vitesse supérieure. Je ne me permettrai pas. Je préfère m'arrêter comme je le fais aujourd'hui. Même si je suis à 1 heure de chez moi, ce n'est pas grave. M'arrêter et passer cette information. J'exhorte tous les combattants, tous les amoureux du Cameroun qui se trouvent du côté de l'Amérique et des Atlantiques de prendre toutes les dispositions. C'est la chose la plus simple, c'est un système de badge avec pièce d'identité, nom, adresse, profession pour tous ceux qui auront accès de près ou de loin à une conférence. Parce que même en venant acheter un bouquin, même en venant dédicacer un bouquin, on peut empoisonner un donné au leader. Donc l'accès doit être scrupuleusement respecté.
Les agents de sécurité doivent être pas seulement derrière le professeur Maurice Kamto, mais derrière tous les membres du directoire. Parce que ce système, ce système des médiocres, veulent nous tuer. À chaque fois qu'on avance, ce système des médiocres veut nous tuer. Pour une seule chose, conforter les élections qui sont en train de programmer le 8 et montrer à leurs parrains du côté de l'Occident que tout va bien au Cameroun, alors que rien ne va au Cameroun. Rien ne va au Cameroun. C'est ça la réalité. Rien ne va. Rien ne va au Cameroun. Je vous exhorte, chers frères, du côté du Canada, du côté de Toronto, du côté de Washington, prenez toutes les dispositions. À Paris, ces gens ont utilisé tous les directs. Il y a une cellule à Yaoundé, ils ont utilisé tous les directs. Arrêtez les élucubrations que de faux commissaires Zogo est en train de dire. C'est plus grave que ça. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le pont de Bebda n'est pas cassé. Ils ont essayé. Ils ont essayé avec Laurent Bien-Aimé, qui habite à Mâcon. Alors, je profite pour laisser un message à ce SDF de Laurent Bien-Aimé de Mâcon. Il a été contacté cet après-midi par les services secrets. Eux, ils sont tellement idiots qu'ils oublient que cet énergumène et ce SDF, ce vagabond de Laurent Bien-Aimé n'habite pas Paris, ni la Suisse, mais il habite Mâcon, à 72 km de Lyon. C'est Laurent Bien-Aimé, lui aussi a été contacté d'approcher une brigade fantôme d'empoisonneurs pour contacter les membres de la base et approcher leur famille. Je lance ici un vibrant appel à Laurent Bien-Aimé. Si un Camerounais tombe, je vous le dis aujourd'hui, au-delà des clashs qu'on a souvent eu à faire sur Facebook, on ne pouvait pas rentrer aussi bas et tomber sur des médiocres comme c'est Laurent Bien-Aimé. Laurent Bien-Aimé, c'est un médiocre. Un médiocre. Un médiocre qui ne mérite même pas que je prononce son nom ce soir, cette nuit. Mais il fait partie de la conspiration avec bien d'autres activistes. Alors, j'ai dit ici, là, devant 660 personnes. Je m'appelle Kamwa. Je suis Camerounais né en Doungé. Mon père s'appelle Kamwa. Ma mère s'appelle Madame Kamwa. J'ai toute la famille Kamwa. Vous tapez, vous allez voir. Je suis le petit-fils du chef Bangoula actuellement. Le chef Bangoula, du roi Bangoula, pas chef, roi Bangoula. Ma vie n'a pas d'importance. Mais la vie des personnes qui sont en même de redresser le Cameroun est plus important que ma pauvre vie, qui ne représente rien du tout. Alors, Laurent Bien-Aimé, ça fait un moment qu'on a ton adresse à Mâcon. Je sais où tu travailles à Mâcon. Tu es agent de sécurité au Leclerc à Mâcon. Agent de sécurité au Leclerc à Mâcon. Tes enfants, c'est de la merde. Ton ancienne femme blanche avec qui tu me parles, tes enfants, c'est des SDF. Tu es l'exemple du médiocre qui a fait 30 ans en Europe et qui n'a plus rien à perdre. Respecte tes enfants. Si je te lance ce message à toi, Laurent Bien-Aimé, c'est ton nom qui est revenu. S'il arrive quelque chose à mon jeune frère, Wifi Ekanda, à mon frère Valsero, à mon papa, Maurice Kamto, à mon papa Albert Zongan, à mon papa Maurice Kamto, à mon papa Pende Koka, Laurent Bien-Aimé, je le dis ici devant tout le monde, j'ai ton adresse depuis 6 mois. T'habites Mâcon, la banlieue de Lyon, à 72 km de Lyon. Tu travailles au Leclerc de Mâcon. T'es l'employé d'un de mes amis. Et je ne... Là, on ne parle pas d'amitié, là, on parle du Cameroun. Ton employeur, c'est Yannick, c'est mon ami. Tu es vigile dans sa société, tu travailles au Leclerc. S'il arrive un seul cheveu, je le dis ici là de façon catégorique, un seul cheveu à toute l'équipe du MRC, à toute l'équipe du directoire, moi comme moi, je descends à Mâcon. Donc, il faut que vous soyez sûr que ce que vous...
Il faut que vous soyez sûr que ce que vous voulez faire, ce n'est pas museler un groupe ethnique, mais c'est tuer tout simplement le Cameroun. Je l'ai dit hier encore, tout Camerounais qui vit en Europe est un ambassadeur du Cameroun, mais il faut choisir son camp. Ambassadeur de tes côtés, du camp des médiocres ou du camp des bons. Et je te prends en cible, Laurent Bien-Aimé, agent de sécurité au Leclerc de Mâcon, employé par Yannick. On a tout sur toi. Je le dis ici devant 800 personnes ce soir. S'il arrive une seule égratignure aux membres du directoire qui s'en va au Canada et aux États-Unis, nous, on descend sur Mâcon déjà. Pour toi, les autres paieront. Alors je lance un vibrant appel à tous les membres qui sont en train d'organiser la venue du président élu Maurice Kamto, la venue du directoire de la Renaissance au Cameroun. Faites très attention. 8 femmes, 16 hommes ont pris le vol ce soir pour l'Amérique du Nord en mission commandée. Voilà un pays où des gens se lèvent pour vouloir changer le Cameroun. En face, on ne retrouve que la haine. Qu'est-ce que Maurice Kamto vous a fait si ce n'est pas vouloir construire le Cameroun? Qu'est-ce que Pende Koka vous a fait? Qu'est-ce que Abe Zongan vous a fait? Qu'est-ce que le jeune Wilfried Ekanga vous a fait? Non, je le dis aujourd'hui, ce soir, de façon solennelle, à mes frères d'outre-Atlantique, faites très attention. Très attention. J'ai tellement eu des morts dans ma famille que je n'ai plus de larmes pour pleurer. Mon frère Solo qui devait partir au Canada, je ne suis même pas sûr qu'il va y aller. Parce que c'est aussi l'une des cibles du régime. C'est l'une des cibles. Solo a 25 messages de mort par jour des services secrets du Cameroun. 25 messages de mort. Je vais pleurer sur mon sort. Aujourd'hui, je suis devenu dépendant depuis 2 mois. Parce que je marche avec une jambe. Je marche avec une jambe. Même pour me laver aujourd'hui, j'ai besoin d'assistance pour ce Cameroun. Je ne vais pas pleurer sur mon sort. Je pense au Cameroun. À l'heure où je vous parle, j'ai encore des béquilles. Il me faut encore moins de 2 mois pour être le Camerounais qu'il y a quelques mois pour ce régime. Mais ça ne me fait pas peur. Même avec un demi-pied, je ne lâcherai pas. Hier encore, il nous a envoyé les menaces en disant que le deuxième pied, c'est pour bientôt. Mais on s'en fout. Et je vous le dis, je ne suis pas seul. Vous nous avez eu une fois, pas deux. Une fois, pas deux. Les gens étaient surpris hier de me voir avec des béquilles. Surpris. Vous avez les béquilles. Elles sont là, mes béquilles. Voilà. J'ai une seule paire de chaussures. Vois mon pied. Voilà mon pied dans le plâtre. Vois mon pied dans mon plâtre. Encore à l'opération. Je ne peux pas porter chaussures. Je porte une paire de chaussures depuis 1 mois. Je ne vais pas pleurer. Voilà mes deux béquilles. Voilà mes béquilles. Les gens m'ont vu hier. Je n'ai pas eu besoin de monter sur le podium pour pleurer sur mon sort. J'ai pas besoin de monter sur mon podium pour ne pas parler que de moi. Car moi n'existe pas. Quand il y a au minimum 10 frères qui meurent tous les jours au sud-ouest. Quand moi n'existe pas. Quand il y a 1 mois, il y avait 12 000 morts au Cameroun. Quand moi n'existe pas. Quand le 3 février 2020, nous sommes à 13 000 morts. Non, je n'existe pas. Ce n'est pas possible parce que dans ce combat, on ne parle plus que de soi. On a dépassé le moi. On parle du Cameroun. On parle de la Renaissance. On parle du plus tard. On parle d'après. On parle d'un Cameroun nouveau, meilleur, prospère. On a envie de revivre ça. Regardez la haine qui grandit en moi. Alors qu'il y a 3 heures, j'étais content de ce qui s'est passé. Hier, à la place de la République, quand j'apprends qu'il y a 8 femmes et 16 hommes qui prennent le vol pour aller empoisonner des Camerounais,
pour aller tuer des Camerounais. Regardez, on passe de la joie à la haine. Comment vous pouvez nous faire ça, monsieur le médiocre? Parce que nous sommes avides, on a soif de changement. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Il se passe quoi? À transformer tous les enfants en enfants têtus, les enfants dociles en enfants têtus. Il se passe quoi? Vous pensez que je pouvais rentrer chez moi? Les gens me disent qu'à 1h, c'est tard. Tu peux rentrer chez moi et dormir avec ça? Quand on voit Maître Sop mort sur le champ de bataille, quand on voit Potuta mort sur le champ de bataille, quand on voit Ayuk Tabe avant de manger juste du pain, obligé de faire goûter à tout le monde avant, qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Il y a 2-3 heures, j'étais content. Je rayonnais de joie. J'ai passé un moment de plaisir. Parce qu'on a fait une bastonnade à ce système des médias hier. La place de la République était comme on a souhaité. Noix de monde. Vous nous radicalisez, monsieur le médiocre. Si un seul cheveu arrive, un seul combattant tombe, ça ne va plus être ça. Laurent Béhéné, t'es agent de sécurité au Leclerc de Macron. L'indication est assez claire. J'espère que ce message va te parvenir et parvenir à toute ta clique. Ce n'est pas parce qu'on n'agit pas. Ce n'est pas parce que on ne réagit pas. On a tous vos adresses. On a tous vos contacts. Parce qu'on s'est dit, vous restez des Camerounais. Un jour, vous allez revenir à la raison. Caméraman, on a toutes vos adresses. Zogo, on a toutes vos adresses. Tous ces artisans du mal démoniaque, on a toutes vos adresses. Nous ne sommes pas des inhumains, nous sommes humains. On vous laisse encore le bénéfice du doute. Mais là, je lance ce message. Je lance ce message. Il a un seul cheveu de tous ceux qui ont pris le vol du directoire. Et je ne veux pas exposer beaucoup de personnes parce qu'il y a d'autres personnes qui ont pris le vol du Cameroun pour Paris, pour Washington, qui épousent la cause du changement au Cameroun et que vous avez mis dans cette liste. On a les noms que je ne vais pas citer ici pour les mettre en danger. On a les noms. Si vous touchez à une seule de ces personnes connues et ces personnes inconnues, vous allez répondre. Action, réaction. Action, réaction. Pas besoin de s'allier à quelqu'un. Action, réaction. Parce que nous avons besoin d'un Cameroun nouveau. On a besoin d'un Cameroun qui va changer. Nous avons besoin de la Sopécam, de la Sophie. Nous avons besoin de la Sophie Belle de Belabo. Nous avons besoin de la Sotuc. Nous avons besoin de Cameroun Airlines. Nous avons besoin de la Régifécam. Nous avons besoin de construire un Cameroun nouveau. Et le professeur Maurice Kamto nous a fait réveiller hier. On y croit. Il y a une équipe d'économistes, d'ingénieurs, d'architectes, de médecins, d'anciens, de chefs d'entreprise qui sont prêts à aller au Cameroun. Alors, vous n'allez pas casser le rêve de tous ces Camerounes, de tous ces Camerounais qui croient à un Cameroun nouveau. Vous n'allez pas casser le rêve de tous ces jeunes de la diaspora qui mettent leur vie en danger en espérant voir le pays de leurs ancêtres, le pays des Oumniobé, le pays d'Ernest Ouandié, des Afana, tomber en ruine. Vous n'allez pas casser nos rêves. Alors, comme c'est passé de la pratique aux actes et que vous allez déléguer cette délégation de 24 à 25 mercenaires sanguinaires pour attenter de façon physique à la vie du directoire du MRC et de ses alliés,
et des supports et amis du Cameroun qui veulent le changement au Cameroun, je vous mets en garde. Je vous mets en garde. Et je vous le dis, je parle maintenant au nom de Solo. Vous ne pouvez jamais atteindre Solo. Jamais. Je l'ai dit dans mon direct cet après-midi. Vous avez essayé hier avec Solo. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Solo hier. Vous avez vu. Vous avez vu. Et ça, c'était rien. Parce qu'on a eu le temps de calmer. On ne voulait pas gâter cette journée magnifique. Essayez. Laurent Béyémé. Laurent Béyémé. Toi, qui as été chargé de cibler. Toi qui as été chargé de cibler nos adresses. Alors moi, je te dis maintenant, ton adresse est déjà ciblée. Tu travailles au Leclerc, à Mâcon, à 72 km de Lyon. Tu es employé par Yannick. Les seuls laines qui sont en région lyonnaise savent de quoi je parle. Les combattants qui sont en région lyonnaise peuvent aller vérifier. Le commandant Nino peut aller vérifier. Et tous ceux qui pensent que c'est une blague peuvent aller vérifier. Tu as été chargé pour la mauvaise tâche. Mais moi, je peux vous dire, quand moi déjà mort, je n'ai pas peur de vous. Même avec une jambe, même avec une béquille, la résistance, ce n'est pas du sensationnel. Parce qu'on part du Cameroun. Nous n'avons pas choisi d'être au Cameroun. Nous sommes des Camerounais. C'est le Cameroun qui est né en nous. On va mourir avec le Cameroun. Et j'ai dit à ma famille, la seule chose qui me ferait plaisir à ma mort, c'est de me brûler avec le drapeau du Cameroun. Me brûler avec ce drapeau-là. Ouais. Dans mon linceul, avant de rentrer à l'incinération, c'est avoir le drapeau du Cameroun parce qu'on l'a dans le cœur. Et quand on a quelqu'un dans le cœur, on l'oublie pas. En bien ou en mal, on l'oublie pas. Je me rappelle encore d'hier. J'étais au premier loge. J'ai eu le temps d'écouter le discours du président élu Maurice Kamto qui l'a dit. Même si vous voulez pas m'aimer, mais moi je vous aime. Et je vais vous obliger à m'aimer. Vous ne pourrez pas m'interdire de vous aimer parce que je vous aime. Il aime cette diaspora. Il aime ces Camerounais qui se battent. Il aime ces amours du Cameroun, la vie du changement. Ne cassez pas nos rêves. Ne nous poussez pas à être ce qu'on n'est pas. Ne poussez pas le bouchon jusque là-bas. Ne poussez pas le bouchon. Je vous laisse encore au bénéfice du doute. Ceux qui pensent aujourd'hui, qui vont prendre le Cameroun comme les poches, comme les maisons, comme les porte-monnaies, faites très attention. Très attention. Ça fait un moment, je ne suis pas intervenu dans les directs et je n'ai pas tenu un discours aussi radical. Mais je peux vous assurer que tous ceux-là qui pactisent avec le démon, vous êtes repérés. Vous êtes repérés. Il arrive. Un seul leader tombe. Une seule personne qui les accompagne tombe. J'irai en prison pour vous. Solo ira en prison pour vous. Kamekodia ira en prison. Parce que je vous le dis, ne prenez pas le Cameroun en otage. Quand on ne peut pas, on ne confisque pas. Bye bye.